Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DT Game. On se retrouve pour un deuxième épisode. Et cette fois-ci, on va vraiment commencer. Mais avant cette vidéo, j'ai oublié un truc la dernière fois, c'est que je devais vous montrer le système de vote. Mais je vais vous le montrer après parce que sur moi, je suis plein. Je vais vous montrer le système de vote. On va prendre le VIP plus. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Hein, on va pouvoir voilà, farmer, construire assez tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre aujourd'hui? Ça, et on va aujourd'hui voilà se faire une petite maison vite fait, et ensuite on va faire XP notre Pokémon. J'ai pas encore fait un seul combat exprès, j'ai pas fait une seule capture exprès pour cet épisode, pour vraiment voilà le début de l'aventure. J'ai rien fait, j'ai juste été miné. Je nous ai préparé pas mal de ressources. Voilà, je nous ai préparé du charbon, du bois, voilà, du fer, l'or, j'ai pas pu, après j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de pioche en fer. Voilà, on a un peu de trucs, on a un peu de tout là. Voilà, après je pense que j'irai refarmer un peu de bois vite fait parce que le bois de chêne c'est peut-être pas celui-là que j'ai envie de travailler. Ouais, je pense qu'on va faire un petit coffre machin. Et alors du coup on va voir comment on utilise ça déjà parce que alors là. Je n'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. Comme ça, on va pouvoir voir ça en même temps. En fait, c'est pour construire sa base, délimiter sa base. Hein. Et en fait, ouais, j'ai choisi ce petit coin. En fait, j'ai même pas. En fait, au début, je pensais galérer longtemps avant de trouver, mais en fait, non. J'atterris près de là, un peu plus loin, et je trouvais ça sympa. On a là, ben là, on la voit plus, mais on a la petite lune et tout. Voilà, on est au bord de l'eau. Franchement, je trouve que ça peut être vachement sympa. Alors, on va voir comment ça se passe. Alors, genre, c'est quoi? Clic droit. Ok. Ça, c'est un clin. Et ça, du coup, c'est un bloc de clin. Ok. Alors, ensuite, c'était ça pour voir. Attends. Je ne comprends pas trop. Tac, ok. Peut-être qu'il faut que j'en mette un autre plus loin. Je sais pas. Non. Ah! D'accord. The clin. The minimum size. Je ne comprends pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Je. Ouais. Je comprends pas trop en fait. Si je fais ça là. Non. Oh, alors attendez, je vais aller voir sur la FAQ comment ça marche. Parce que alors là. Alors là, je sais pas du tout. Je vais aller voir ça. Bon, sur les vidéos, ça a l'air simple, hein. Alors, bon. Hein. Mais normalement, après, avec notre statut VIP, on pourrait le faire plus grand. Alors, pour l'instant, on va faire un truc de base. Hein. Alors, normalement, là, je clique droit. Voilà. Là, j'ai un claim. Et ensuite, c'est en 5 x 5. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà mon claim. Ah ouais, mais il est un peu petit, là, mon claim. Clic droit dessus. Ah, ça a tout annulé. Claim. Mince. Non. Hop.
Tac. Je sais pas de combien en combien j'ai le nombre. 1, 2, 3. 10. Non, c'est trop grand. Ah ouais, c'est le maximum là, que je peux faire, c'est ça. Mais c'est pas grave, au moins on va pouvoir poser nos objets et aller activer VIP tout le temps. Là, là. Ok. Alors là, ça c'est bon normalement. C'est bon, c'est validé. Hein. Normalement. Tac, si je fais ça, clic droit. Tac. C'est bon, je l'ai. Ah ouais, mais moi je débute. Hein, je débute. Hein. Alors on va enlever juste la neige. Là, voilà, Kaminos. Alors ensuite, on va faire un établi. Putain, j'ai plus de place sur moi, c'est la misère. ouais, du coup, j'ai plus de place sur moi. Ah bah, si, de toute façon, je peux là. Faudra juste que je jette un truc en attendant. Mais je peux. Du coup, tac. Tac. Ça aurait été plus simple de cliquer sur l'établi, mais bon. Ouais. Alors là, tac. Je vais faire ça. Échappe. Et du coup, on peut pas le poser là-dessus, hein. Hein? Si. Ok. Du coup, ça fait quoi quand je reprends le bateau? Ah ouais, non. Ah ouais, d'accord, le claim, il est là, autour. Non, ça va alors. Du coup, tac. On avait dit les coffres. Alors les coffres. Comment ça se fait ça, les coffres là? Tac. Ah d'accord, c'est ça. Non, j'ai pas assez. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Quoi? Ah oui, d'accord, j'ai pas assez de. Ok. Ah ouais? Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je comprends pas. Ah ok, d'accord. Voilà. Bon, du coup, ça va me faire encore des blocs en plus. Qui j'ai pas la place. C'est n'importe quoi ça. Ouais, du coup, ben, on va faire. Alors, attends. Hop. Tac. Et puis, ben là, en attendant, on met ça là. Hop. Échappe. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il faut vite le coffre là. Hein. Il faut vite le coffre parce que. Ah oui, d'accord. Là, ça l'a fait avec un machin. Ok, on va remettre là. Hop. Échappe. Du coup. Voilà, on va être, on a délimité surtout notre zone de stockage. Hein. Tac. Ensuite, et ben voilà. Hop. Hop. Bon, je vide tout, je trie tout, on se retrouve. Et ben voilà qu'un zigzag, on vient m'embêter pendant mon triage. Juste au moment où j'ai fini, je vais reprendre la vidéo. Et ben voilà, première attaque de Kaiminus de toute sa vie. C'est parti. On est niveau 2, donc voilà. Ça va. Il y a du watt-watt pour la laine. On va aller le tuer, ça, parce que pour un lit, normalement, le lit, je crois que ça sert comme un centre. Mais je sais même pas si on peut dormir. Attends, il est level combien ce con? T'es level combien toi? Hein? Level 13. Ah, mais j'ai pas envie de mourir moi. Oh! Krabi, non, lâche-moi. Ah, je peux pas m'échapper. Ah! Ouais, je sais pas. De toute façon, on verra bien. De toute façon, il y a le safari et tout le tralala. Ok, et ben alors on va aller activer nos trucs.
Alors, comme ça, je vais vous montrer aussi le système de vote. On va commencer par ça. Alors, le système de vote, c'est assez simple. Ça nous fait gagner des choses tous les jours. Hein? Alors là, on va voter. Tac. Voilà, moi, je suis. Tac. Mon pseudo. Il est en majuscule ou en minuscule, mon pseudo. Ah, mais je suis pas connecté là. Ouh là là. Attendez. Et on est de retour. Alors, voilà. Là, je suis connecté. Afficher les récompenses. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir. Clé. Les clés, là, c'est pour, je crois, voilà, les trucs, là, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, hein, pour les coffres, là. À mon avis, c'est ça, je crois. Oui, normalement, c'est ça. Du coup, alors, on passe à l'étape suivante. Alors, tac, on fait ça. Ah ouais, j'ai déjà fait, parce qu'en fait, ça s'est pas encore renouvelé. C'était, ouais, dans 1 heure et quelques. Et quelques. Alors, ensuite, tac, là, bah, 4-4, 6-2-4. Voter erreur. Ah, lui aussi je l'ai déjà fait hier. Ouais, c'est pas un par jour. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va actualiser et il se passe quelque chose là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai entendu un bruit bizarre. Alors. Je suis un humain. On voit un camion. Ça, c'est un camion. Un camion de pompier. Un camion de pompier. Un camion. Un camion. Oui. Minecraft. Game. Vote. Pour le serveur. Thank you. Voilà. On a voté. Alors, récupérez dès maintenant. Vous avez bien reçu votre récompense en jeu. Alors, ok. Ah, oh, Caïminus. Mais non, mais laissez-moi, mon Caïminus n'est très faible. Mais non. Ah. Oh. Non. Elle m'a tué, Caïminus. Bah, c'est pas grave, moi maintenant je serai tranquille. Voilà, je serai tranquille au moins. Ah, bah voilà, j'ai reçu. Là, vous voyez, une clé de vote. Et normalement, dans le chat, annonce. Soutenez, non. DT Game. Ouais, ça l'a pas mis là-dedans, mais c'est après. Ok, alors regardez, je vais les faire tous et je reviens. On verra tout ce qu'on a. Voilà, j'ai fini tous les votes. Alors, what the fuck? 8 clés, on a 8 clés pour aller. Ah bah ça c'est génial. Alors attendez voir. S'accroupir. Ouais, rien de spécial. Ah bah ça on ira les utiliser après quand on ira soigner Caïminus en même temps, comme ça on pourra aller voir. On pourra aller voir. Et maintenant on va prendre le pass VIP plus. Vous êtes prêts? Oh, en plus il neige et tout, le coin est parfait en plus là. Hein. Surtout ça tombe bien, on est au mois de, hein. Au mois de décembre, hein, encore, ah oui, on est le 29 aujourd'hui. Du coup, bah c'est parti. Non, tac. On est parti pour le VIP plus. C'est quoi ça? Ah, ok. Oh, ça pète. Alors, le VIP plus, on reçoit tout ça là. Wow, c'est joli. Et toute cette configuration. Ah oui, alors ça, est-ce que la personne m'a répondu? Attendez, je sais pas si je peux vous mettre ça là-dedans. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a plein de commandes, mais pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert, mais on les testera, voir, hein. Je pense, truc assez facile, craft, feed, on verra ce que c'est. Et ben, c'est parti. Mais il se passe quoi?
Ah, russe. Acheter. Que se passe-t-il? Ah bah ça y est, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Alors, reprendre le jeu. T. Ok, alors après, à mon avis, il doit y avoir un truc pour demander ces machins. Je sais pas si je fais, tiens, je sais pas moi. Non. non. Oh là là, eh, moi, ouais, je suis perdu, hein, j'ai pas l'habitude de jouer. Moi, voilà, je suis joueur console. C'est voilà, vraiment la première fois que je joue en multijoueur. Alors, oh. Hein? Alors, je sais pas moi, il y avait écrit craft. Craft comme commande. Oh non, c'est juste que j'ai accès à la commande craft. C'est ça? Ok. Ah d'accord, sans avoir besoin de. Ok, d'accord, ok, je vois. Du coup, je n'ai pas besoin. Ok. Je n'ai pas besoin de ce bloc là. Ah, ça c'est pas mal. Ensuite il y avait food. Faudra que je me les note hein, monsieur là. Food. Ah non, il n'y avait pas food. J'ai rêvé. Ah non, feed. Feed. Ah, kit VIP et kit VIP plus. Quoi? Toutes les 24 heures, c'est en fait? On va voir ça. Alors, reprendre. C'est quoi ça alors? Feed. On va l'essayer quand même là. Feed. You have be fin. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors attendez, j'arrive. Alors ouais, j'ai vu en fait, d'accord, feed, oui, c'est l'alimentation, ok. Mais c'est génial, en fait, ça, j'ai plus besoin de m'alimenter et tout. Bon, après ça, je pense que je la ferai peut-être pas la commande là. Ouais, se faire un petit peu à manger et tout, en mode survie, c'est toujours cool. Ouais. Même celle-là, là, il y a Poké. C'est quoi? Heal. À mon avis, ça va soigner. Voilà, sans soigner, mais après, bon, on fera quand même un petit centre Pokémon et tout ça, quoi. Il faut quand même, mais c'est génial. Alors, maintenant, on va voir pour les kits, hein. Comme ça, vous aurez les informations, vous verrez. Alors, non, d'abord, c'est kit VIP. Ok, ça, c'est le coco. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Alors là, on a une tenue. Ok. C'est en fer. Bon, ça c'est. Là, oh, Hyper Ball. Ça c'est génial ça. Alors, Hyper Ball. Super Ball. Pokéball. Super Ball. Oh, trois bonbons. Mais ça c'est génial parce que ça se vend très très cher. Hein, ces bonbons. Ah, mais en fait, ça s'empile plus ou quoi? Non, je sais pas. Ouais. Attends, super, super, super. Hein. C'est tous les mêmes, non? Des pommes. Ok, on va mettre ça là. Et la clé, on va la mettre là. Ah, on a le casque. On a l'épée. C'est génial ça. Des super potions. Des hyper potions. Des rappels. Ça, c'est des lettres qu'on peut vendre. À mon avis, hein, ouais, parce que sinon je vois pas trop qu'est-ce que t'en fais. Contient une lettre écrite par un joueur similaire. Ouais. Voilà. Mais c'est génial. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on obtient avec le kit Dieu. Et en fait, ça, en fait, d'accord, c'est tous les jours. Moi, je pensais c'était une fois. C'est tous les jours, on a ça, quoi. Du coup, plus en plus les objets qu'on reçoit tous les jours. C'est cool, ça.
Ça va, au moins je pourrais farm un peu plus rapidement pour faire de la stratégie. Moi qui. Ah, parce que je pensais vraiment que ça allait mettre 10 ans avant que je puisse faire de la stratégie. Quitte VIP plus. Mamma mia! On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Bon, ça y est, tout le monde a déjà vu ce qu'il y avait dans le kit, en fait. Voilà. Pas de surprise. Hein. Je sais plus. Là, normalement, oui, c'est bon. Non, là, je peux pas, bah non. Hop. Du coup, c'est pété. 30 Pokéballs. 15 Super Balls. 5 Hyper Balls. 5 guérisons, 5 rappels max. Mais rappels max, du coup, on n'a pas vraiment besoin. Ah, si, ça peut peut-être servir pour les combats avec les boss et tout ça. 5 super bonbons, 16 hyper potions, une tenue entièrement en diamant, avec l'épée en diamant, et du coup, on reçoit ça tous les jours? Je sais pas, on verra bien, mais c'est ouf, hein. Ouais, du coup, je vais mettre les tenues là-dedans, hein. Les tenues et les armes. Il n'y a pas un bas? Ah si si, là. Tac. Bon, je me range tout ça et hein, je me range tout ça. On se retrouve au centre Poké où elle utilise nos petites clés. Il y a tellement de découvertes que je dis on se retrouve là-haut au truc des clés, mais non parce qu'il faut d'abord que je mette le four, hein, bien sûr. Mais ouais, franchement, il y a tellement de trucs que je veux vous montrer que je pense pas que la maison on va peut-être pas la faire aujourd'hui, hein. Au Bali, tu me les casses, hein. On va faire gros yeux, on va baisser la défense. Ah bah non, mais ça sert à rien que je baisse la défense, moi, je suis con. Ça y est, le mec, il perd déjà ses stratégies Pokémon, hein. Et pistolet à eau, c'est... C'est spécial. T'as vu Feria en plus. Bah oui, bah alors du coup, fais voir Frédésie. Aïe. Aïe. Allez. Aïe. Aïe. Bon bah, hein, je vais mourir. Hein. Voilà. Bon bah, au moins, il nous fait pucher. Voilà. On soignera après. Maintenant, on a une commande pour soigner. Alors, du coup, tac. Ouais, bon, pour l'instant, j'utilise la truc de craft. Moi, je suis pas encore habitué. Ouais, je vois à chaque fois. J'ai regardé un peu hein, cette nuit les vidéos sur ma... Ouais, sur le serveur. Je vous invite à regarder. Il y a plein de vidéos un peu cool. Faut les chercher, mais assez cool sur le serveur. Et j'ai regardé un peu, ouais, les gens ils tapent toutes les commandes toutes vite et tout au chat. Mais moi j'ai pas l'habitude en fait de jouer vraiment comme ça. J'ai pas encore l'habitude. Le seul jeu où vraiment j'ai l'habitude de jouer sur l'ordi, c'est voilà, c'est Euro Truck. Hein. C'est pour ça que j'avais acheté l'ordi déjà, premièrement. Du coup, là, tac, un fourneau. On va en mettre deux. Hein, pour le moment. Hein. Deux. Tac, échappe, hein, et on, comme ça on peut faire fondre ça pendant que nous on va s'amuser. Ah, les deux se sont pas mis sur moi. Ah, j'ai pas pris les deux. Je suis qu'un. Je n'ai pas pris les deux. Tac, échappe. Là, du coup, on prend du charbon. Je me rappelle plus du tout comment il se consomme le charbon. On va voir, on va mettre 10 charbons de chaque, on verra bien. Tac, et on va faire fondre là surtout du fer en masse. Voilà. Juste avant, on pourrait... Non. Tac. Tac. Et... Tac. Non. Échappe. Voilà, maintenant on va voir si on a plus de place ou pas. On va voir ça du coup. Ça, ok. Là, genre, on va s'agrandir vers là-haut. Tac. Hop, hein. Genre, on dit que.
Ah non, il faut que j'aille. Tac. Tac. Ok. Quoi? Wesley me plaît. Ouais. Ah, ah oui, d'accord, c'est sur la maison. Ça va pas, ça. Bah, si, ça va. Non. Attends. Ah non, c'est à côté, ça va pas. Il faut que ça soit là. Voilà. Tac. Mais si je veux que ça soit plus grand, il faut peut-être que je l'annule. Ouais. Que je le reset. Tac. Ah, ça c'est pour. Non, ça c'était pour créer. Parce que je peux en créer deux. Ouais, il faut que je le reset. Alors attendez voir. C'est bon. On a trouvé. Alors. Ah. Bon. Don. All. Claims. Ah. J'ai mal fait. Al. J'ai mis bien deux L. Le mec, il se ridiculise. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, ok. Alors, du coup. Voilà, il n'y a pas de clin ici. Ok. Et maintenant. Voilà. Ok, et là, on va partir. Tac. Yeah. Wow. Ah ouais, génial. On est bien là, déjà. Hein, on est déjà bien. Est-ce que peut. Attends, attends. Ah ouais, non mais. Oh là là, ça va jusqu'où ça? Ah ouais. Oh mais c'est plutôt cool ça. Attends. Parce que là, celui-là, il est là. Ok. Ensuite, ça fait quoi comme ça? Ensuite, là, le bloc là. Ah ouais, ça va jusqu'en bas, du coup je peux faire un sous-sol et tout. Tralala. C'est génial. C'est génial. Ok. C'est top ça, en fait, la place qu'on a. Ah mais c'est génial, je pensais qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de place, mais là avec ça. Là, celui-là on le modifie et hop. On va le pousser jusqu'au bout là. Hop, voilà. Ah ouais, là franchement là on est bien, là on peut faire une belle, on peut déjà faire quelque chose de très très beau. Hein, on verra par la suite. Hein. Mais non, là c'est génial. C'est génial. Et bah du coup, on. Bah on met ça là. Hop. Tac. Là. La moitié, c'est comme ça. Tac. Ouais, ça fait longtemps que je peux utiliser ces trucs, hein, moi. Après, je sais pas, est-ce que ça continue à marcher quand on n'est pas co, on verra bien. Parce que là, je vais me déconnecter un peu, j'ai un truc à faire. Puis, bah, c'est l'attaque. Vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas terminée. La vidéo n'est pas terminée. On va aller utiliser nos clés. Et après, on va aller vite faire l'entraînement Pokémon. Et dans le prochain épisode, on ira découvrir l'île des VIP, voir qu'est-ce que c'est ce truc. Il y a tellement de trucs à faire qu'en une journée, là, je crois que je vais tourner je ne sais combien de vidéos. Car il y a vraiment plein de trucs importants et ça c'est des trucs que j'ai envie de montrer en vidéo. Voilà, parce que je pense que le farm, tout ça et tout, hein, vous en avez rien à foutre. Par contre la construction, tout ça on l'a fait en vidéo, voilà, on fera peut-être des timelines. Mec, on dirait vraiment là, c'est la fin de la vidéo, hein, mais non, non. Et voilà, il y a tellement de trucs à faire que je trouve que les trucs vraiment importants, faut les faire en vidéo. Que vraiment les vidéos aient un intérêt à découvrir des choses. Et voilà quoi, qu'on découvre tout ça.
Et voilà. Et comme ça, quand on peut revenir, je pourrais refaire des quelques petits outils. What? Attends, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais il est où l'autre coffre? J'ai l'autre truc là. Je l'ai pas mis. Qu'est-ce que j'en ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? J'ai pas posé un autre fourneau moi? Je l'ai jeté? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je sais pas. Hein? D'accord. Quoi? Je comprends plus rien. Ah, ça y est, ok, d'accord. Mais en fait, je le voyais pas en fait, il était invisible. Je me disais bien que j'avais bien mis dans les deux. Ouais, c'était chelou. C'était assez chelou. What? Bon, allez, du coup, nous on se retrouvera directement pour aller utiliser les clés. Allez, à tout de suite. Hey. Non, voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'aller un peu farm et tout, mais au moins comme ça vous évite que je vous mette ça en vidéo. À part une fois on fera une vidéo, on ira farmer quand je me mettrai hop sur le serveur et tout pile quand la mine elle va être actualisée, je vous la montrerai et je vous montrerai le plaisir de farmer dans cette mine. C'est un plaisir, ouais. Mais du coup, nous voilà, comme chose promis, chose due. Par contre, cette vidéo commence à être un peu longue, mais il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça, du coup, la construction de la base sera dans une prochaine vidéo. Mais la prochaine vidéo, on la démarrera en allant voir l'île. Mais là, on a ça, et on va aller un peu XP les Pokémon, en attraper un ou deux, histoire de bien s'amuser. Parce que je pense que je vous ai un peu saoulé là. Première vidéo, deuxième vidéo, peut-être que vous êtes dit, bon, c'est bon la présentation, tout ça. Mais au moins, comme ça, vous savez tout ce qu'il y a sur le serveur. Et voilà. Alors là, tac, voilà, j'ai utilisé une clé, hop. Après, à mon avis, c'est aléatoire, hein, ça veut dire, hein, la box. Hein. On va essayer de retenir une autre clé, hop. On a 3500, tu vois, là-haut, il y a deux clés en haut à droite, ça m'étonnerait que... Tu vois? Ouais, voilà, 3500. Ah! Allez, encore une... Ah non, je dois attendre 4 secondes, ok. 2 secondes. Putain. Allez, il reste 5 clés, c'est la loterie, je sais pas. Ah, les super bonbons, ouais, c'est bien, c'est bien. Ça se revend pas mal. Allez, 4. 45 rubis, ouais, c'est pas mal, on peut les changer contre un coin machin là. Je crois que normalement un bloc, c'est ça, un bloc contre un... Non, ou c'est un peu plus, je sais plus. C'est toujours ça, même si on voudrait mieux, hein. Allez, oui, on voudrait une clé là, des autres clés là. Précieux, ça c'est tout ce qu'on peut avoir. Oh, ouais, la Master Ball et la clé là. Oh, les deux trucs là, ça serait. Allez, allez, deux clés. Ah, 3500. Ah, elle était juste là. C'est la dernière, c'est la dernière. Super bon, ah dommage. Bah j'ai dit dommage, c'est déjà bien, hein, c'est gratos. On a juste ça, vous avez juste pour avoir c'est à peu près 6 ou 8 à peu près, ça fait 6. À peu près 6, je crois, il y a 6 votes à peu près. Bah vous avez juste à faire ça tous les jours et hop 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 quoi. Magnéti, non, ça m'intéresse pas. D'abord, on va aller le XP et après, j'ai remarqué déjà près de chez moi, il y a du Magikarp, Magikarp à aller capturer et l'autre là, le Poiscaille là de la 8G là qu'on utilise tous en 8G, là, qui est voilà. Désolé, ouais, les noms à chaque fois, je m'en rappelle plus. Ah, vous savez, hein, quand on n'a pas joué à Pokémon depuis. Bah non, ça fait quand même un an bientôt. Hein, ouais, bientôt que je rejoue à Pokémon, mais voilà, que sur épée. J'ai encore du mal à retenir les noms, surtout qu'un coup, ben, c'est sur Shodan, hein, un simulateur que je suis. Pour faire mes équipes, les noms ils sont en anglais. Après, tu retournes, les noms ils sont FR. Alors, ouais, le mec qui se cherche des excuses. Du coup, on va aller. Aux îles et on va aller farmer les petits Pokémon là en masse là comme ça on monte de niveau et ensuite on va au safari. Ça vous dit? Là pas besoin de faire de coupure hein. Warp île. Voilà. Alors je crois que c'est tout droit. Hein. Ouais, oui elle régit. Hmm.
Ah oui, par contre, ouais. Mais c'est ça qui est bien. Ah, c'est ça qui est bien là. On a pas de sorte de Pokémon. D'un côté, le Poké Heal, il est utile. Le Poké Heal est utile. À chaque fois, j'oublie le T. Hein. Poké. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, s'entraîner contre des Galekids. Ouais. Ah, bah là, il y a même. Des PC. Oh, bon. Et ben hop, hein, c'est parti. Kaiminus! Alors, attaque pistolet. Oh. C'est super efficace, ça va bien sûr. Ah, normalement, il est quoi? Lui, il est roche acier ou un délire comme ça hein? Ou il a pas encore le type acier? Il peut être très bien avec son talent aussi, hein, Galeking. Il peut être très bien, mais oh, bah voilà, on farme le fer en même temps. Hein, ça c'est du farm. Ouais, vous avez vu, j'ai ma petite petite tenue en diamant. Et en plus de ça, j'ai un truc qui est trop cool. Bah là, je me rappelle plus déjà de la touche, de la commande. Mais en fait, je peux avoir l'enclume, je peux réparer mes objets gratuitement dans cette enclume en fait, avec grâce à mes avantages. Mais viens là, toi. Voilà, fermeté. Ah, fermeté, ça peut être pas mal, hein. Faire de l'arc pro avec ça. Pourrait être pas mal. Ah, fermeté en 6v6, c'est assez cool, hein. Manque plus qu'on soit un petit peu rapide dessus, mais il est très très lent. Non, ça m'intéresse. Non, pas envie. On le tue à griffe. Ouais, on le tue. Ok. Bah, une, on est des crevards. On récupère tout ce qui bouge. Faut essayer d'avoir ce haut level. Allez, je fais un peu XP et hop, dès que je suis au level, on va au safari. On va quand même s'en prendre un des Galekids, Kid, hein, parce que Galeking, en fait, plus j'y réfléchis, plus fermeté, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, j'ai jamais vraiment joué. Alors après, ça va être assez facile, de toute façon, pour savoir s'il a le talent qu'il nous faut, fermeté ou pas. Hein. Tout simplement, on fait un pistolet à eau et on la one shot, donc ce n'est pas un talent fermeté. Voilà. Tac, alors, voilà. Tac, ah bah non, il n'y en a plus. Redémarrage automatique dans 5 minutes. Oh là là. Faut que je me dépêche de. de trouver mon fermeté là. Viens là, toi. Hey. Voilà, fermeté. Voilà, sac, boule. Galeking, il est gris. Il irait bien dans les Père en boule, mais j'ai pas envie d'utiliser pour ça, quoi. Alors pour l'instant, on va rester dans de la basique Pokéball. De toute façon, on voit pas vraiment les Pokéballs. On n'est pas sur épée et bouclier. Faut que t'arrêtes, mec, là. Voilà, vous avez capturé, machin. Par contre, lui, j'ai pas envie de lui faire gagner d'expérience. Bah, de toute façon, j'ai pas le multi-ex, hein. Ouais, j'ai pas le multi-ex. Voilà. Et on se retrouve avec le Kaiminus hein, qui évolue sous nos yeux. Ah, dommage, hein, je gâche le plan. Je suis en plein dessus. Mais nous avons un
Crocodile shiny. Alors. Oh, elle est stylée. Eh, la ligature. Ah, vivement la ligature. Je te le dis. Et ben, du coup, on va aller chez moi. Attends, lui là. Oh. Là, t'as level 10. Hop. C'est gratos. Tac. Alors, on va aller chez moi et on va aller chercher un Magikarp. Pour avoir un beau petit Léviator. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper et on se retrouve chez moi. Je viens de voir que j'avais encore une clé sur moi. Hein, autant la faire pour la vidéo. Tac. Et 3500. Et pas d'instant. Et ben voilà. Du coup. Tac. Voilà. Si je m'en attachais, ça va pas aller. Tac. Et nous voilà. Et on va aller chercher. Ouais. Par contre. Mais attends, en fait, viens, on teste la canne. Oh, Magikarp! Magikarp! Viens là! C'est ça qu'on veut du Magikarp. Ah mince, d'accord, moi je savais pas que c'était bon. Ok, 1, 2, 3, et hop, non. Ouais, je sais même pas comment ça marche. 1, 2, 3. Je sais pas comment ça marche. Attends, ah là, voilà. Ah, Magikarp level 15, c'est nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors, faut pas le tuer. Nous, on est level 18. On va lui faire un petit pistolet à eau. Ça devrait pas le tuer, le type eau. Il fait trempette. Ouais, pistolet à eau, on va en mettre deux. Nickel, nickel, on va le mettre dans une super boule. J'espère que c'est pas un shiny. Parce que... Non, je pense qu'on nous prévient hein, d'abord. Attends, est-ce que on voit le combat là ou pas? Non. Hein. Ah, c'est un. Hein ah non, ça c'est un poids sirène ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, plutôt j'ai le Pokéball quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui, hein? Bah ouais, je crois. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce Magikarp là? Je l'ai. Nickel. Bah non, en fait, c'était juste un effet. C'était juste un effet. Du coup, j'ai bien fait en fait de le mettre dans une Pokéball. C'est ce que j'ai fait, hein, je crois. J'ai mis une Pokéball. Hein. Ouais, super amoule. Ok. Alors attends. Mais il m'a l'air bizarre. Sais pas, il m'a l'air chelou. Hein. Il est bizarre. Oh ouais, il a pas de nature. Oh ouais. Mais ce qui paraît. Après, c'est les Poké là que je prends ça. Magikarp, voilà, c'est pour l'aventure. Bien sûr, après, on en fera un strat, ça c'est sûr. Viens, on va voir ses stats. Mais par contre, c'est trop bizarre la Pokéball. Attends.
R. Mais c'est pas un Magikarp ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, on va demander, on a le chat. C'est long, hein? Mais ouais, j'aimerais bien savoir. Il est trop chelou, Zarya. Il est trop bizarre. Il devrait pas être comme ça. Hein. C'est bizarre. Ah, hey, je suis pas con, Magikarp, c'est rouge. Non? Bah, on va voir ses stats. Hein. Il y a peut-être des bonnes stats, hein. Alors, pour voir les stats, hein, comme ça vous le saurez, j'ai demandé, tu as une forme spéciale, je pense. Cool. Hein, j'ai fait neuf. Ouais, c'est cool ça. Du coup, c'était alors IV2 Magikarp, ouais, 22 IV en défense spéciale, en attaque 17. Bon, bah, pour époquer, on va dire aventure, il n'y a pas vraiment d'aventure dans le jeu, hein, bien sûr. Mais pour un poké comme ça, pour se faire plaisir, c'est cool. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait aller au safari. On allait aller au safari. Alors, chat. Ça y est, comment ça m'y est habitué? Eh ben non, tiens, bah, je mets home. War. Safari. Non, comme ça, je crois. C'est ça, voilà. On est au safari. Alors, non, ça c'est pour les champs. J'adore ces machines. Alors, faut pas que je tombe dans les trucs là, sinon je vais ralentir de fou là. Je crois que je vais pas avoir le choix. Je sais pas pourquoi elle est comme ça la descente. Et allez hop. C'est parti, alors voilà, il y a plusieurs zones avec voilà, des Pokémon. Différentes zones avec différents Pokémon. Là, on a l'air d'avoir le coin savane. Non, non, ça, tu m'intéresses pas, non. Je suis peut-être pas très. J'arrive pas à m'échapper, il me fait doux parfum. Ok, ah, ça va être chaud de capture en fait ici, hein, je pense. Ça va être hard. On avance, hein. On va voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Qu'est-ce que j'ai aperçu là? Lui, ça c'est la sous-évolution de Gigalith qui peut être pas mal, hein. Poseur de tempête. Là on a Ligmagma, donc potentiellement il peut peut-être y avoir des Pokémon de feu par là. Aurait bien peut-être un. Petite Onyx, Steelix. Mais un Pokémon feu ça pourrait être pas mal parce que même s'il est haut level avec Crocodile on pourrait lui mettre pas mal de dégâts je pense. Ah là y a plus rien. Ouais, ça va plus vite comme ça j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai qu'au fait, au final, on avait vu un Ligmagma, mais là-haut, on avait vu un truc. Alors.
Un racaillou, ça pourrait être pas mal, un gros lemme. Hein. Un gros lemme, ah ouais, ça fait. J'étais jeune quand j'ai joué ça. Oh, ça pourrait être génial même, un gros lemme là, niveau 22, vas-y. Il est bien fait, hein. Ah ouais, un gros lemme. Alors, c'est parti pour le combat. Alors, il est niveau 22. J'ai peur de le tuer en fait. Oh yes, il tient. Il a fermeté en plus, c'est génial. Ok, là il va falloir faire gaffe parce que les roulades vont faire mal. Mais Grolem, franchement, dans une petite Hyper Ball. Non, on va pas niquer. Ah, c'est les pokés de l'aventure pour s'amuser. Hyper Ball, on pourrait en avoir besoin pour des pokés un peu plus importants. Allez. Ah, la Super Ball, tout bien faire. Ouais, yes, en Super Ball. Ça lui aura très très bien. Et nous voici avec un Grolem. Un futur Grolem, désolé. Non. Là, tu reviens là, toi. Je voulais juste le soigner. Poké. Et voilà. Voilà. Le troisième Pokémon de notre team. Là où nous avons un jeune Canasson. Maintenant, j'aimerais bien trouver un Pokémon de type feu. Là on arrive, alors du coup on va arriver dans la zone. Allez, dès que je trouve mon truc, je vous montre parce que sinon. Ah je peux pas passer auprès d'une occasion comme ça. Un ectoplasma. Un futur ectoplasma. Le gars il s'enflamme direct. Mais ça peut être pas mal. Du coup, pistolet à eau. Enfin, morsure. Ma morsure, ça lui fait mal. Allez, pistolet à eau. Il utilise représailles. Ça va. C'est bon, on peut lui en faire un deuxième. Voilà. Non, hypnose. Ouh, je l'ai. Voilà. Sac, ball. En. Ectoplasma, en. Pokéball. Tac. Alors. Est-ce que c'est bon? Non, il est ressorti. C'est bizarre avec ce plasma. C'est pas Ectoplasma, c'est un futur, et c'est Fantominus. Une deuxième Pokéball. Est-ce que c'est bon? Elle est où la Poké? Ah non, il s'est encore libéré. Ouh là là, j'ai fait quoi là? Malédiction. Ouh là là. Je suis en plein bug. Ah non, il est mort, mince. Bon, on se retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose. On en a retrouvé un et juste à côté il y a du Minotaupe, les gars. Il y a du Minotaupe. Le gars il est déjà à fond dans la strat. Alors, pistolet à eau. Non, hypnose, esquivé. Non, je dors. Oh, il fait dodo. Regarde, non, on ne peut plus s'échapper. Il s'est réveillé. Tac. Mince, j'ai refait un pistolet à eau, coup critique. Ah non, c'est bon, j'ai cru. Ball. Allez, go. Pokéball. Yeah, on l'a eu. On l'a. Crocodile qui monte au niveau 19. Et là, allez, genre du Minotaupe. Mais on est tellement bien là pour ce début. Minotaupe. Hein? Pokémon ont été supprimés, oui, c'est un anti-lag. Hop, c'est renouvelé. Mon Minotaupe. Non, mais Racaillou, non. 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 Ah, Minotaupe, please. Minotaupe, please. Oh, on a du Taupiqueur, hein. Ça peut être pas mal. C'est super rapide. Mais non, on fait Minotaupe.
Non, bah tant pis pour Minotaup, hein. On va pas que capturer des Pokéstrats parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour. Oh si, allez. Si je veux mon Minotaup. 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 Quoi? C'est quoi ça? Non, un caillou. Non. Ah ouais. T'es un gueudin, toi. Gravier du silex. Ah bah, je prends. Hein. Du coup, il nous a bien mis dans le mal, lui. Pokéhill. Tac. Ça, c'est bon. Putain, on a eu notre Fantominus. Ça, c'est bon. Bon, après, faut faire gaffe. On n'a pas de multi-expérience. Hein. Bah, faudra. Je sais pas si ça se craft. Faudra voir si ça se craft ou pas. Putain, mais du coup, c'était ici qu'il y avait du Minotaur. À mon avis, il va falloir attendre dans le temps que ça respawn. Allez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé un truc de bien. Et ben voilà, pour le dernier Poké à capturer. Après, j'en ferai un, hein, mais hors vidéo là, parce que la vidéo elle doit être vachement. Je sais pas combien elle dure. Après, vu que j'ai fait plein de pauses, tout ça, peut-être pas en fait, mais j'ai l'impression que la vidéo elle dure longtemps alors. Ouais, pour les prochaines vidéos, il faudrait qu'on s'adapte à des vidéos vraiment plus courtes. Bah au moins j'aurais vu. Franchement là, morsure hein, pour pas le tuer. Ouais mais du coup là, on va lui faire un gros yeux. Tac. Ah, le marteau bois là, j'ai pris cher. Hein. Morsure. Marteau bois. Tac, KO. Choisissez un Pokémon envoyé en voyant Photominus. On va voir si on peut l'hypnotiser. Allez, utilise hypnose, il s'endort, nickel, on y va, on est prêt, Pokéball, allez, en attente, Simularme, Simularme s'est libéré, Simularme dort toujours, on peut retenter une Pokéball, tac, ça m'a l'air bon, et voilà, un Simularme. Ouais, juste avant de voir le EV, je suis tombé sur le futur Beto Chef. Oh putain. Hypnose, allez, hypnose. Crocodile il est mort hein, déjà. Non, il a esquivé. Mais en plus, il est niveau 37. Yes, il a endormi. Sac, ça mérite. La petite hyperbole, allez. 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 Yes! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais toi tu me lâches, tu laisses mon Magikarp tranquille? Hein, tu me laisses tranquille? On est où? Ça va pas la tête ou quoi? Hein. Alors on va voir un peu les EV. On va voir les EV de Charpentier, les autres je vais les voir moins parce qu'il y en a trop. Alors attendez-moi.